Là, il y a l'autre qui va me courser. Merde. Vite, vite. Je me chie dessus. C'est un jeu d'horreur. Allez. C'est quoi ce bug? Oh non. Oh non. Wesh. Oh non, je suis bugué. Salut à toutes et à tous, l'âme compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est Bob le bricoleur, ou plutôt le chaton en chantier. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre petite aventure sur Little Big Cat City. Et j'espère que vous avez apprécié le premier épisode. En tout cas, pour ce second, n'oubliez pas votre plus beau like et votre petit commentaire qui fait plaisir. On va mettre le petit nonos à ce petit chien, ce petit Shiba. On va lui mettre là et je pense que normalement, voilà, je passe derrière sans aucun problème et je ramasse encore quelque chose. Et c'est quoi? Décidément, c'est un chapeau maïs. Voilà les amis, bah, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de faire ce petit let's play, si je puis dire, petite aventure. Hop, on saute dans la poubelle, ça régale. Peut-être des trucs à récupérer, qui sait. Non, très bien. Bon bah écoutez, je vais tout simplement ressortir. Oh, magnifique. Allez. Oh, j'en ai ramassé tellement. Oh, c'est parfait. Et j'ai même un déchet supplémentaire. Donc attendez, je vais le prendre. Je pense qu'il va falloir... On va pouvoir le remettre dans une poubelle. Ah, c'est superbe. Par contre, il faudrait qu'on... Alors, souvenez-vous, on a pris un portail magnifique, machin. Alors, j'espère qu'on va pouvoir revenir. Je peux revenir? Merci pour ta contribution à la science. Je te préviendrai dès que j'aurai terminé d'analyser ces données. Quoi? Je peux pas... Je peux toujours pas revenir? Salaud, va. Bon, je reprends ça. Donc c'est pas fini alors. J'ai pas tout exploré alors. Bon, heureusement que le chien s'amuse avec son nonos. Ça c'est une bonne nouvelle. Si je la mets dans la poubelle, du coup j'ai pas de points. Non? Attendez, faut que j'ouvre la porte. Je peux pas. Ah mais attendez, je suis sûr que je peux passer là. Ah non, même pas. Mais c'est une blague. Attendez, je suis censé aller où là? Là je peux grimper peut-être? Non, pas du tout. Ah, sur la voiture. Alors attendez, je reprends ça parce que vraiment ça va m'être utile, hein, je le pense. Je le pense sincèrement. Voilà. Ouh. Magnifique. Plus que 5 à trouver et on sera pas trop mal. Ok, là je peux aller à nulle part. Par contre, si, je peux aller là. Absolument, tout à fait. Oh, des toilettes. Incroyable. Et là Oh, il y a une abeille. Il y a une abeille là-bas, on peut parler avec une abeille. Attendez. Oh là, il me fait n'importe quoi lui. Ok, il faut que je monte. Ah, il y a l'autre qui va me courser encore. Ah, par ici, bien vu, j'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe, impeccable. Hop, allez, grimpe. Voilà, il pourra rien faire. Hop, je lâche. Et je vais discuter avec cette petite abeille, bien mignonne. Oh non, non, non. Est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller, d'après toi? Pardon, pardon, pardon. Je ne devais pas emporter contre toi. C'est pas grave. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait une grosse erreur, une énorme erreur même. Lol. Lol. Il y a vraiment le lol. Je crois que ça dépasse les compétences d'un petit matou comme toi. Alors déjà, tu devrais voir tout ce que j'ai effectué jusqu'ici. C'est une erreur tellement gigantesque qu'elle éclipse le grand scandale des hashtags censurés de 2021. Quoi? Comment je suis censé organiser la campagne de Taffy sur les réseaux sociaux sans téléphone? Ah, tu veux un téléphone? Eh ben mon pote, j'ai ce qu'il faut mon gars. On appelle ça un hashtag. Très bien. Tu veux donc un téléphone? Ah ça. Ce petit truc, ce petit truc. Bah voilà. Oh, mon humain en a un, mais il est moins gris et moins coulant. Ah bah oui, mais c'est pourquoi il est coulant d'ailleurs? Le mien aussi d'habitude. Mais je l'ai fait tomber dans du béton frais. Ah, lol. Ça veut dire... ouais, d'accord. C'est vraiment un geekos, lui. Hein. C'est vraiment un influenceur. Un influenceur, quoi. Hein. On sait pour qui tu votes. C'est juste quelque chose qu'on dit quand on rigole. Ah, d'accord. Ok. Lol. Ça veut dire logging off... je sais même plus ce que ça veut dire, d'ailleurs. Bref. Je vois lol. Tu as compris. Et donc, tu es triste parce que tu as fait tomber ton télétruc? Oui, j'en ai besoin pour travailler. Ta fille va me renvoyer si je ne les répare pas. Ah oui, bah c'est dur de se lever à 7h du matin pour faire ce boulot. Hein. Ah bah j'ai vu ça moi. C'est ma chef si on veut. Enfin, ce serait le cas si elle me payait. Ah,
C'est une icône, un phénomène, un cauchemar. D'après Fourrure Magazine, c'est la milliardaire la plus poilue d'Internet. Un cauchemar poilu, ouais, je connais bien ça. Une minute. Ta fille est un chat. Un chat. C'est le chat, lol. C'est elle, là-haut. Où ça? Ah ouais, mais putain, faut que je monte. Ah ouais. Ah oui, carrément. Ah oui. C'est une influenceuse chatte. Incroyable. Sa maison est super cool. Ses tenues aussi et ses poils sont doux comme un nuage. Ah bah putain. C'est moi qui choisis ses tenues et qui la brosse. En fait, j'étais en train de chercher de nouvelles inspirations quand j'ai fait tomber mon téléphone. Pas de téléphone, pas d'internet. Pas d'internet, pas de nouveau contenu pour les fans de ta fille, lol. Eh ben. Très bien. T'inquiète, j'ai la situation. Je gère la situation. Je dirais même Léna. Allez. Eh ben. J'ai une idée, visiblement. Je vais te trouver un nouveau téléphone. Ben voilà, tout simplement. Allez. J'y vais, mon gars. MDR. Pas de problème, je vais te trouver un téléphone. Ouais, mais attends, pour ça, il faut que je puisse repasser de l'autre côté. Mais attendez, c'est pas possible. Il faut que je repasse de l'autre côté. Comment je vais faire? Je me suis fait arnaquer encore. Alors attendez, on va voir si l'autre il a une solution maintenant. C'est possible. C'est possible qu'il ait une solution, hein. Tu me diras. S'il te plaît, dis-moi que c'est bon. Mec, tu veux pas me parler? T'es un salaud. Tu veux pas me parler? Hé! Non, mais je vais faire comment moi? Je vais faire comment moi? En plus avec mon... avec mon saut là, je me sens tellement con. Allez hop, je le mets dans l'eau, ça m'a saoulé. Aïe! Bon. De toute façon, manifestement, j'ai l'impression que ça se passe ici parce que là-haut... Attendez, attendez. Ça va mon gars? Tu te régales? Ah ouais, il se régale. Hein. Donc là, je ne peux rien faire. Là, je ne peux rien faire. Juste dans les toilettes, j'y suis pas allé, mais... voilà, il n'y a rien de... rien de bien incroyable. Si je vais dans l'eau, il se passe quoi? Rien, très bien. Là-haut, des escaliers. Bon, bah on a déjà vu. Là, ah, peut-être la porte. Non, jure. Regardez, on peut l'ouvrir, c'est sûr. Alors, pourquoi elle est en rose? Ah, je pensais qu'on pouvait l'ouvrir, j'ai trop le seum. Puis là, bah on a tout vu, là. Hein. À moins que... à moins que... attendez. 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 Avance un peu. Avance un peu. Encore. Et là. Et là. Hop! Oui! Pas du tout. Très bien. Bon, tout se passe donc. Tout se passe donc. Ici. Tout se passe donc ici. Là, tu me confirmeras. Je préfère revérifier, les amis. Hein. Soyons tranquilles. Voilà, rien de plus à faire. Là, je peux pas passer, là. Non, il n'y a pas de... j'ai l'impression que je peux grimper. Si à ça, c'est pas pour rien. Non, si, d'accord. Moi, j'ai compris. Bon. Très bien. Alors, attendez. Bah, y a certainement moyen de... se barrer différemment. Ah, oh, purée. Purée. C'était si simple. C'était si simple. Bah, j'aurais pas dû... ah, j'aurais pas dû jeter ma canette. J'ai trop le seum. Bon, bah voilà. Plus besoin de téléporteur. Allez, madame, vous avez un très beau téléphone. Vas-y, fais, prends-moi en photo. Voilà, fais-moi un câlin. Voilà, fais-moi un petit câlin. T'es contente, hein? T'es contente. Hein. Allez. Et maintenant, tu te casses la gueule. Hop! Mince. Hop! Attends, regarde. Comme ça. Paf! C'est une blague. Madame. Voilà. Et là, hop, je te prends ton téléphone. Et là, t'as trop le seum parce que je passe ici. Et si ça, ça arrive dans la vraie vie, je pense que t'es pas bien. Si ça, ça t'arrive dans la vraie vie, je pense que t'es pas bien. Et il y a l'autre qui va me courser. Merde. Vite, vite. Je me chie dessus. C'est un jeu d'horreur. Allez. C'est quoi ce bug? Oh non. Oh non. Wesh. Oh non, je suis bugué. Qui l'eût cru chez l'eût cru? Incroyable, je suis... je suis bugué. Non, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Ça pouvait pas mieux arriver, ça, hein, franchement. Et là, viens me libérer. Oh non, c'est horrible. Appelez les pompiers. Comment je vais faire? Je suis foutu. Ah non, mais là, je suis absolument foutu, là. Ok, les amis, de retour. J'ai chargé ma dernière sauvegarde. J'ai rechargé la sauvegarde, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, j'espère.
Du coup j'ai plus le téléphone je pense. Non, ouais, mais je pense que c'est bon. Donc ce que je vais faire, hop, on va ramper. On va surchoper un petit téléphone juste ici, monsieur. Au lieu de jouer à la balle là. Débile va. Allez, oh wesh, tu m'as repris mon téléphone. Eh, c'est mon mien. Reviens. Je veux ton téléphone. Je veux ton téléphone. Ok, j'ai compris. Tant pis. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le ballon là? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le ballon? Lâcher, mais lâcher quoi? J'ai rien dans la bouche. Bah voilà. Et bah je fais comment moi pour, mon, pour avoir un téléphone? Oh c'est incroyable. Hop là. T'as le seum hein. Bon en attendant on va se balader de nouveau. Le temps de se rechercher un... Bah lui là il a un téléphone là. Regarde. Hop. Voilà. Voilà. Mais putain elle l'a repris. Mais c'est pas possible. Voilà. Elle a lâché l'affaire, c'est bien. Bon. Oh, il y a un qui brille là-haut, regardez. Il y a des trucs à récupérer en face, j'avais même pas vu. Bon. Hop, on repasse ici. On va éviter de on va éviter de se bugger. Putain, j'ai... N'empêche, le bug était hilarant. Hein. Ça, c'est le genre de truc... Hop. Voilà, superbe. Voilà, monsieur l'abeille, regarde ce que j'ai pour toi. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu as réussi. Oh merci beaucoup. Tu veux garder l'ancien? L'appareil photo fonctionne toujours mais tu ne pourras pas envoyer d'email. C'est quoi un email? Mais c'est vraiment le tutoriel de la vie quoi hein. Enfin, tu n'as jamais été mis en CC. On ne t'a jamais donné de répondre as soon as possible. Habituellement je communique plutôt en ronronnant. Comme ta vie doit être fantastique Minou. Bref voici ton téléphone. Let's go. Téléphone bétonné. Et on va pouvoir faire des photos. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Tu devrais prendre un selfie. Vas-y, je fais un selfie avec toi. Oh, waouh. En effet. Ah, c'est superbe. Non, mais c'est superbe. Non, franchement... Oh là là. Non, le jeu est magnifique. Franchement, le jeu est magnifique. Regardez-moi ça. Tu peux faire de ces trucs. Bon, c'est pas... Je vais prendre la souris pour mieux faire, mais... Voilà. Et voilà. Hop. La photo est prise. Magnifique. Chaparazzi. Allez. Et d'ailleurs vous savez quoi, on va le dingue tout ça. Oh il y a un truc, regardez. J'avais même pas vu ça. C'est incroyable. Oh. Bah il y a les 5 derniers. Hop hop hop. Et voilà j'ai les 25. Allez let's go, salut. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut que je retrouve Corbeau. Attends. Parce que lui il va me saouler. Voilà. Voilà et hop je me casse. Hop. Mince. Eh mais attendez, je vais retrouver Corbeau. Corbeau, il était là-bas. On va y aller direct. Il va me donner un poisson, c'est cool. C'est incroyable. Ce jeu est fou. Bon, bah jusqu'ici, j'espère que vous appréciez. Parce que ça se trouve, on est à la moitié du jeu. Déjà, c'est possible. Non, mais attendez, là aussi. Non, mais il y en a partout, en fait. Il y en a partout. Hop. Voilà, j'en ai même plus que nécessaire. Hop. Voilà, monsieur Corbeau, t'es toujours là? Ah, tu bouges pas, toi. C'est bien des quibris, tout ça? Parfait! Tu as bien fait de me les apporter. Si brillant, si joli, on se voit même dedans. Vous avez un bien beau bec, maître Corbeau. Tu vas t'en débarrasser de manière responsable, hein? Bien entendu. Et voilà, nous venons d'accomplir notre premier acte héroïque ensemble. Je peux essayer de le jeter moi-même? Hors de question, il s'agit d'un rituel ancestral connu seulement des corbeaux. Bon, je peux avoir ma récompense au moins. T'as quoi? Ah oui, pardon, ta récompense, bien sûr. Où est-ce que j'ai vu ce poisson déjà? Où ça sent l'arnaque? Où ça sent l'arnaque? Oh, le salaud. Oh, le salaud, je me suis fait rouler, en effet. Ah, il m'a pas arnaqué. Ça devrait te donner énergie pour grimper. Pas assez pour rentrer chez toi, mais c'est déjà un début. Où est-ce que je peux grimper? Là. Il va te falloir plus de poissons si tu veux grimper jusqu'en haut. Ok. D'accord. Continue à ramasser les quibris que tu trouveras. Je viens d'avoir une idée. Ok. Oh. Bon attends, déjà je vais ramasser le poisson. Bah je vais le manger du coup. Ok. Oh là là, on est en train de le dévorer là. Et là du coup ça va nous donner plus d'énergie, c'est ça? Oh, on peut grimper aux lières. Non, c'est incroyable. Ah ouais, non mais là il y a trop de... Oh, mais je pense... Mais non, mais le jeu ne peut pas se finir en 4 heures, c'est impossible. Il y a trop de trucs à faire. Il y a trop... Déjà, il y a trop d'endroits à visiter là. J'ai envie de retourner là où on était tout à l'heure encore.
Attendez, là je vais juste monter sur la voiture déjà. Récupérer ce truc là. Ouais d'accord, mais si tu fais pas d'effort. Ok. Donc là je peux grimper là, mais attendez parce que... Oh, y a trop de trucs à faire. Vraiment, il y a trop de trucs à faire. Eh, regardez même là, non mais c'est trop. Ici là. Non par contre, si tu sais plus grimper quoi que ce soit, on est mal. Hein. Voilà. Voilà. Là ici. Un qui brille. Et là normalement, j'avais des trucs qui flashaient là-bas. Absolument. Alors attendez. On grimpe là. Ah ouais, il fait vraiment plus aucun effort. Oh, on peut... Attendez. C'est sûr, on peut... On peut... Non, on peut pas. On peut pas tourner ça, j'ai trop le seum. Là. Ouais. Non, d'accord. Non mais là, il y a moyen de monter là. Il y a moyen de monter, mais je sais pas comment sauter. Hop, carton. Incroyable. L'amour des cartons, ouais, bah les chats ils adorent les cartons, ça c'est clair. Comment on monte? Il y a forcément moyen de monter. Bon après c'est pas grave si j'ai pas tous les qui brillent. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Là faut faire gaffe à pas tomber. Oh là 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 là. Oh là là c'est chaud. Oh là là c'est chaud. Ok, dernière ligne droite et hop le qui brille. Oh, j'en ai vu un autre. Bien planqué. Voilà. Oh c'est superbe. Et là on aura tout fouillé. C'est bon. Allez on se barre. Par contre du coup il y a les lières à grimper là-bas. Sauf que il y a aussi des lières à grimper là. Hein. Il y a trop de trucs à faire. Attends, on va rentrer dans la poubelle, ça fait des trophées. Allez, fouille les poubelles. Bah ça va même sortir des qui brillent en vrai. Mais oui bien sûr, 3. 1, 2, 3, magnifique. Ah non, ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. Ok. Et je pense que si j'attrape encore des oiseaux, je pense que l'autre peut me débloquer d'autres passages secrets en vrai. Hop. Monsieur, ça dégage. Oh là, c'est incroyable. Merci pour ta plume. Donc, il y avait du lierre là. Il y avait du lierre ici. Allons voir. Parce que ça m'intrigue. Là, je peux maintenant... Voilà, je peux même bondir. Oh là là. Bon, ça me permet juste de passer ici. Ok. Mais je voulais quand même m'en assurer. Donc là, c'est bon. On a tout vu. C'est un cul-de-sac. Impeccable. Ouais. Là, on a tout vu. Là, il y a du lierre aussi, là. Oh, non, il y a trop de trucs. C'est impressionnant, ce jeu. Ce jeu est impressionnant, messieurs, dames. Ce jeu est fou. Ok. Par ici. Donc là je peux grimper. Ah oui mais il y a de l'eau. Ah il y a de l'eau, ouais d'accord. Ah donc je peux même pas. Je peux même pas. Puff puff puff. Par ici. Je tente hein, des fois de miauler que des fois quelqu'un veut m'ouvrir mais non. Ok. Bon là il y a un téléphone abandonné. Bon pourquoi pas. Ouh. Non mais attendez, c'est incroyable. Là, un qui brille. Là, une poubelle. Je rentre dedans. Je perds pas de temps. Comme ça, on en récupère un maximum. Parce que je pense qu'à force de manger des poissons, on va avoir des super pouvoirs carrément. Oh, une licorne. Une licorne. Superbe. Une brouette. Et là, je peux carrément aller là. Wesh. C'est gigantesque, c'est quoi ça? Je mets la licorne dessus. Ah non, céréales ronfleurs. D'accord. On peut se reposer, dormir, d'accord. Oh, bonsaï. Oh, mais c'est super chill. Super reposant. Par contre... Non, là, je peux pas monter. Trop le seum. Mais là, je peux monter, là. Hop, le pot. Ça dégage. Hop, voilà. Voilà. Parlez. Salut, le caméléon. Bonjour. C'est à moi que tu parles? Bien sûr. Tu peux me voir? Oui, je suis désolé. Surprenant. C'est la première fois que quelqu'un parvient à percer mon camouflage hors classe. Mon pouvoir serait-il en train de disparaître? Un pouvoir? Tu es magicien. En effet. Si tu peux me voir, tu parviens peut-être aussi à voir mon chapeau de magicien. Il me permet d'avertir les autres magiciens que je patrouille dans cette zone. Ils peuvent me voir aussi? Absolument pas. Personne ne peut me voir.
C'est pour ça que je suis surpris que tu m'aies remarqué. Je suis si doué pour me camoufler que je peux même faire disparaître les mots. Regarde un peu ça. Eh, les développeurs, c'est des génies. Hein. T'as vu ça? Donc Armemo était parfaitement camouflé. C'est impressionnant. Merci, ça m'a pris des années d'entraînement. Ouais, comment c'est que je peux te voir? C'est à cause de tes yeux bizarres. C'est vrai que... ils sont tout verts. Il va falloir que tu me dises tout. Pour commencer, ils sont sur le devant de ta tête. C'est bizarre. Ah bah oui, oui, c'est vrai que c'est pas anodin pour lui, ouais, c'est clair. En plus, ils ne ressortent pas du tout. Ils sont à l'intérieur de ta tête. Ça fait moins de place pour ton cerveau. Peut-être que je peux réfléchir avec mes yeux. Est-ce que tu peux les déplacer dans les directions opposées? Je ne crois pas, non. Tu crois que je devrais m'inquiéter? Je ne sais pas. Je suis magicien, pas vétérinaire. Mais si tes étranges yeux inférieurs sont vraiment capables de percer à jour mon déguisement. Alors, j'ai enfin rencontré adversaire à ma hauteur. Ah, c'est incroyable. Du coup, ouais, il va faire des déguisements machin. Très bien. C'est le seul moyen de vaincre tes yeux bizarres. Quand tu dis que tu veux vaincre mes yeux, tu veux dire que je te défie de me trouver une nouvelle fois maintenant? Non. Je vais quitter cet endroit pour peaufiner ma technique, puis je réapparaîtrai ailleurs. Il te sera impossible de me détecter, je vais donc donner un indice. Il existe un lieu où les casques luisent, où le béton coule et les outils construisent. Là-bas, je te réserverai mon meilleur accueil, invisible à ton étrange œil. Mais c'est le père Fouras, en fait. Très bien. Bonne chance pour me trouver. Bah, du coup, il est là où on était avant, dans le truc de chantier. C'est pas non plus incroyable. On sait où il est. Toi, je t'ai vu, toi, là-haut. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Non, mais il est au truc de chantier qu'on était avant, là, je pense. Tout simplement. Là, je peux pas y aller, mais je pense que je peux passer par-dessus. Non, je me suis enflammé. Voilà. Donc là, c'était le petit coin caméléon. Et pep. On va quand même pas passer à côté de ça, hein. Messieurs, dames. Allez, un petit effort. Ah, j'ai plus d'énergie. Ah, faut gérer son énergie quand même. Ah ouais, non mais là c'est abusé. Donc là, faut attendre un petit peu. Ah, j'ai peut-être pas assez d'énergie encore. C'est-à-dire qu'il faut que je mange encore du poisson pour pouvoir y arriver, c'est ça? Attendez. J'y crois, moi. Ah ouais, je peux pas. Je peux pas encore, il me faut encore du poisson, d'accord. Il faut encore de l'énergie, c'est excellent. C'est, en fait, c'est... déjà que la map a l'air quand même un peu grande. Mais en plus de ça, tu retournes aux mêmes endroits plusieurs fois et tout. Enfin, en vrai, c'est, je trouve ça très intéressant. Donc là, on peut pas y aller. Pas encore. Là, lui, il va me saouler. Ok. Et donc, du coup... tu vas te détendre. Du coup, on va devoir monter le lierre là où on a trouvé le corbeau. À mon avis, tout simplement. Ça va même nous débloquer, à mon avis, cet accès-là. Mais bien sûr. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, on y va. Je vérifie s'il n'y a pas du lierre un peu ici et là. Là, je peux monter pour détruire les vases, mais bon, on s'en fout. Voilà, c'est ici. Ouais, là, c'est plus petit. Donc là, c'est accessible pour nous sans problème. Voilà. Impeccable. Hop. Hop. Bonjour, encore un oiseau. Tiens, bonjour, c'est un canard, pardon. Excusez-moi. Pourrais-tu m'aider à résoudre un problème relativement pressant? Ça dépend du problème, hein. Je vois. Tu as parfaitement raison. Je ne vais alarmer personne, mais c'est une affaire urgente. Bon, peut-être que je dramatise. Mais quand même, on n'est jamais trop prudent. Je ne te l'ai pas encore dit. C'est mes canetons, je n'arrive pas à les dénicher. Je te demande pardon. Laisse tomber. C'est vrai que c'est inquiétant, des canetons perdus. Nous étions en train de faire une visite éducative, je voulais apprendre à mes petits l'histoire du quartier. Oh, c'est incroyable. Tu vois la statue de robot qui se trouve dans le parc derrière nous? Je ne savais pas déjà qu'il y avait une statue. Faut absolument que tu ailles la voir. Ce robot est fascinant, ce n'est pas une statue au sens traditionnel du terme. La légende raconte qu'un sage canard, qui me ressemblait beaucoup bien sûr, visitait ce parc chaque jour avec son ami robot. Des créatures très amicales, les robots. Vraiment charmantes. À l'époque, c'était un lac. Une grande étendue mouillée où ils nageaient tous les deux. Ils s'éclaboussaient, ils jouaient comme tu peux l'imaginer, seulement les robots et l'eau, eh bien, bah, ça marche pas très bien ensemble, c'est clair. D'accord. Quelle tristesse. Il a demandé au canard de la reprogrammer, une chose difficile, sur mon avis. Je ne comprends même pas grand chose aux ordinateurs, oui. Forcément. Le canard a reprogrammé le robot pour que celui-ci patiente sur le terrain de jeu pendant que le canard nageait. Une idée de génie, vraiment, tout se passait très bien. Cependant,
par un beau jour qui ressemblait sans doute beaucoup à celui-ci. Il est génial ce canard. Le canard est attaqué par un monstre radioactif. Geku. Geku, notre bienfaiteur. Tu le connais, il crache du feu, il sauve les orphelins, il fait du bénévolat, un chic type. Ça, on a déjà entendu parler de Geku avant en plus. Geku s'est encané du canard, il l'a lancé dans un portail étoilé. Très bien, d'accord. Tu racontes beaucoup ta vie là. N'hésitez pas à mettre pause pour ce genre de dialogue. Très peu utile, mais très agréable. Tu sembles être un chat débrouillard, plein de ressources. Tu veux bien faire équipe avec moi? Vas-y, ça marche. Vas-y, ça marche. On va faire Eureka. On a dessiné une carte de la ville la semaine dernière. Ah, on a une map! Arrête! On a une map. Non mais attendez, le jeu il dure pas 4 heures, il va durer plus longtemps, c'est pas possible. Tu peux ignorer les poissons, je ne crois pas que ça intéresserait un chat, à moins que tu sois ichtyologiste en herbe, bien sûr. Attendez, c'est incroyable. Alors, on rappelle les objectifs. Rentrer à la maison, bien sûr. Trouver Caméléon. Il existe un lieu où les casques luisent, où le béton coule et les outils construisent. Là-bas, je te réserverai mon meilleur accueil. Pour moi, c'est le truc de chantier qu'on a vu tout à l'heure, donc on y retournera. Et réunir la famille, je dois ramener tous les canetons à leur papa. Leurs endroits favoris sont indiqués sur ma nouvelle carte. Et donc, on va ouvrir l'inventaire. Voilà. Oh ah oui, non mais attendez, mais la map est... La map est quand même plus grande que prévu, je pense. Alors nous, on est là. Il y a 4 canards. Et il y a des poissons, par contre. Ah, il y a des poissons. Et là, c'est notre maison. Bon, je comprends rien à la carte. Ça a été dessiné vraiment à la sbeul. Hein. Ouais, d'accord. Attendez, je vais aller derrière. C'est quoi ça? Ah, c'est le copain. Il a réussi à faire des portails. Let's go. D'accord. On va pouvoir se re-téléporter. Impeccable. Pour commencer, il y a... Vraiment? Ouais. Ok. Oh là là. Allez. Ah oui, mais je voulais pas me téléporter. Oh, il est chiant, lui. Il est chiant. Bon, au moins, ça fonctionne. Et on est où, là? Oh, waouh. C'est toi, tu es de retour. J'ai cru que je t'avais fait fuir quand j'ai sauté sur la fenêtre. Ah oui, c'était au tout début, ça. C'était au tout début. Tu es un chien, c'est ça? Le plus gentil et le plus beau de tous, c'est mon humaine qui le dit. Tu m'étonnes. C'est un Shiba, hein, c'est ça, hein? Tu as peut-être entendu mes autres titres, par exemple la plus grosse des patates d'amour ou la plus mignonne des machines à crotte. Ce qui compte, c'est ce qui est dit avec amour. Ouais, mon humaine l'appelle comme ça aussi. Ça alors, il doit y avoir des catégories différentes pour chaque espèce. C'était sympa de discuter, passe une bonne journée. Mais il faut que j'aide de tous les animaux ou j'ai perdu mes quoi? Mes balles de tennis. Oh mince, c'est fort ennuyeux. Ah oui, on est au tout début là, de nouveau là. Putain, mais c'est de la merde. On va falloir... Ah mais non, c'est pas grave, on a un téléporteur. Non? Je vais faire comment pour me téléporter moi après? Attendez, je vais pas m'amuser à tout refaire quand même. Ah si, il est là le téléporteur, ok. Alors... Regarde, je n'ai plus de babal. Oh mince. Bon, mais je vais t'aider à les trouver, t'inquiète pas. Bon, fais pas la tête. Je suis désolé les amis, je passe beaucoup les dialogues. Il y a pas mal d'humour, c'est rigolo, mais là... C'est un petit peu long quand même, hein, si je puis me permettre. Ce genre de dialogue. Trouver les balles du chien. Eh ben c'est quoi ça? C'est pas ça tes balles? Trou de cul? Non? Bon. Bah si c'est pas ça. Et là c'est quoi? C'est pour dormir aussi là. Allez. Eh c'est agréable de dormir dans une niche de chien en étant un chat, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Trouver les babales, ouais bah d'accord. Bah j'imagine que c'est pas là parce que sinon bah... Sinon tu les aurais déjà... Mais attends... Oh je peux encore pas monter je pense hein. Oh j'ai trop le seum. C'est trop nul. Il me faut encore du poisson. Ouais je peux pas. Il me faut encore du poisson. Mais je pense que les balles doivent être là-haut non? En vrai. Eh mais là sous le seau mec. Eh ben voilà. En v'là une. Regarde mon gars. Tu les as toutes retrouvées, petite patate? Bah je t'en ai déjà mis une, sois content, non?
Ouais, en fait, faudrait... Ah, là, je peux monter là, bien sûr. Je peux monter là sans aucun problème. Impeccable. Et là, il y en a une juste ici, messieurs, dames. T'as le chien, il sait vraiment rien faire. Nous, au moins, voilà. Nous, on peut. Et en plus, on a même droit à ça. Alors, je pense qu'il y en a encore ailleurs. Hop. Donc, on va monter là. On va monter là. On va d'ailleurs tout foutre en l'air. Parce qu'on en a rien à faire. Allez, voilà, il y avait une balle, là. Impeccable. Hop. Et hop. Voilà. Il y a rien d'autre sur ce balcon. Bah, je pense que j'ai toutes les balles. Hein. Hop. Et voilà. La troisième. Bam. 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 Ah, il en reste encore une. D'accord. Mais il veut combien de balles? Attendez, c'est pas possible. Il veut trouver les balles. 2 sur 3. Mais putain, il faut que je le mette dans le trou en fait. Je suis nul. Hop. Allez, va dans le trou. Ah ouais, mais si je la mets pas dans le trou aussi. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Eh ben putain. L'équipe de France, c'est pas pour toi, mon chaton. Hein. Oh là là. Oh là là. On y est presque. On y est presque. Voilà. Ça, c'est fait. Merci, merci. Pour te récompenser, voici un costume officiel de petite patate. Oh non, c'est trop mignon, le chapeau Shiba. Ah, c'est trop chouette. Regardez, hop, hop. Oh, c'est superbe. Là, je vais faire... Eh, mais attendez, je vais faire peur au chien, là, maintenant. C'est incroyable. Maintenant, si je veux me téléporter... Si tu m'apportes une plume, je te reconnaîtrai au réseau. Et ben voilà. Il m'en restait une, ça tombe bien. Donc, chaque plume va me débloquer un téléporteur. D'accord. Ah merde, mais là, c'est là où je suis, là. Je suis retourné là où j'étais, en fait. Ok, j'ai compris. Bon, mais c'est bon à savoir. C'est très, très bon à savoir. Allez, je vais y retourner. S'il te plaît. Ok, il faut que je reparte et que je revienne. Oui. Voilà. Bon. Je commence à comprendre. Donc. Là-haut, c'est bah justement là où on était au tout début. On va retourner au temple zen. Voilà, derrière le canton. Parce que c'est là qu'à la base on était tout à l'heure. Mais il y a un canard là. Il y a un... Attendez. Bon, déjà, je vais récupérer ça pour commencer. Voilà. Faut que je récupère des plumes d'oiseaux hein, tant qu'on y est aussi. Et puis là, il y a un canard là. Ah, c'est pas ça qu'il veut, c'est des vrais canards qu'il veut lui. Ah oui. C'est pas ça que tu veux, mon gars? Regarde. Bah ouais, regarde. Ah non. Bon, bah dommage. Hop, je lâche. Bonjour, monsieur. Alors attendez. Là, je me promène. Oh. On se promène tranquillou. Ça, je prends, ça, je prends. C'est une Pokéball, hein, carrément. Ah, mais en fait, c'est vraiment des Pokéballs, en fait. Chapeau Sastuma. Un chapeau vitaminé. Bon, je vais pas le porter, parce que j'adore le chapeau de Shiba, là. Je vais pas te mentir que c'est super stylé. Voilà, hein, pour tous les fans de Squeezie. Ah, mais il est là! Eh ben alors, petit canton, qu'est-ce que tu fais là? Mon père dit que je suis né vieux. Eh, mais c'est pas trop bon d'être devant les écrans, hein. Ok, il faut que j'éteigne l'ordi. Il faut que j'éteigne l'ordi. Et pour ça... Il y a forcément un truc à faire. Un court-circuit, non? Je suis sûr il y a un court-circuit à faire, non? Il y a fort... Ok. Ok, c'est par ici, messieurs, dames. Voilà, il y a des canettes aussi, c'est bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir aussi. Attends, il y a forcément un truc à faire là-haut, là. Ah! Le courant. Attendez. Tac. Et là. Ici, là. Tirer. Je suis un génie. Allez, vas-y, tire. Et hop. Et voilà le court-circuit. Non, mais c'est du génie. Oh, il a trop le seum. C'est normal que les murs bougent comme ça? Pas du tout. Je vois des formes violettes quand je cligne des yeux. Ah ouais, mais ça, c'est... Faut pas rester trop devant les écrans, les enfants, hein. Allez. Va chez ton daron là. Viens. Ah, il va me suivre. Parfait. Ok, j'ai un premier canton, mon copain.
Il est où? Il est là. Voilà. Ah, si tu savais comme je suis soulagé. Attends, il en manque. Je continue les recherches, pas de problème. Ah, il va me suivre. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Alors attends, on va passer par là. On va se promener quand même. Non mais la map est gigantesque, excusez-moi, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, qu'est-ce qu'elle a encore là? Oh, c'est super. Par contre, faut retrouver le corbeau aussi pour avoir du poisson de nouveau. Et ça, c'est pas gagné. Ouais, on peut faire du toboggan. Ouais. Oh, c'est génial. C'est superbe. Ça va où par là, hein? Bah, décidément. Non mais attendez. Je suis perdu, moi, là. Oh, un corbeau. Tu sembles être le genre de chat qui aime porter des accessoires à la mode. Excellent. Est-ce que tu as entendu parler de mon nouveau projet commercial? Les kibris contre des chapeaux. Ah oui, non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux du poisson. D'accord. Mais moi, je m'en fous de tes chapeaux, moi. Avec 5 kibris, tu peux embaucher un corbeau pour récupérer un chapeau. Ça sert à rien. M'en fous, moi, de tes chapeaux, moi. Moi, je veux du poisson. Ça ira, merci. M'en fous, moi, de ton chapeau. Ah, ça, je peux tirer. Non, mais c'est bon, c'est déjà tiré. Mais attends, ça va où, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on est où, là? Oh, attendez, lui, il est spécial. Oh non, j'ai trop le seum. Mais lui, il est spécial. Il avait quelque chose sur lui. Dommage. Très dommage. Tu vois, je débloque des chapeaux même là, donc... Et voilà. Et lui, il aurait voulu que j'achète contre 5 qui brillaient. Sérieusement. Alors ça, je peux tirer. Voilà. Comme ça, je me débloque également un accès. Impeccable. Et on est où, là, hein? Ah, voilà où on est. Ah, c'est top. Du coup, on est de retour ici. Bon, je pense que je peux toujours pas passer par là parce qu'il y a le chien, mais est-ce que je lui fais peur maintenant? Non, c'est incroyable. Non, ce jeu est fou. Ce jeu est fou. Je disais ça pour rigoler, moi. Non, attendez, c'est incroyable. Et là, il va m'attaquer, là. Non, c'est incroyable. Ce jeu est dingue. Je pensais pas que ça marcherait, hein. C'est incroyable. Là, je peux lui mettre un os. Bon, de toute façon. Eh. Tant qu'on y est, hein. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale, hein. Voilà. Salut. Oui, tu me fais des câlins, t'es content, mais là j'ai pas le temps, là. Là j'ai pas le temps. Hop, ça, dans la poubelle. Voilà. Ça régale. Hop, toi tu tombes. Voilà, c'est toujours rigolo, hein, finalement. Là je peux monter, là. Là je peux monter, là. Je monte, direct. Les petits kibris qui régalent. On monte ici. Phénoménal. Phénoménal, ce jeu. Oh! Eh! Le destin, quand même. Bonjour, petit canard! Ah, mais non, c'est celui qui me suit. Oh non, je suis dégoûté. Je pensais que j'en avais retrouvé un autre. Trop nul. Bah. Monte là, monte là. Allez, encore un petit effort. Oh! Non! Putain! Oh! C'est pour passer de l'autre côté. C'est pour passer de l'autre côté. Ok, alors attendez. Ça va nous permettre de passer de l'autre côté, c'est impeccable. Ça, c'est impeccable. Ah mais non, il y a pas besoin, je suis con. Il y avait pas besoin de faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un pêcheur. Voler le poisson du pêcheur. Let's go. Let's go. Hop. Comment je fais? Ah, faut que j'attende. Voilà. Prends le poisson. Comment je fais? Comment je fais pour lui voler son poisson? Parce que là, il a l'air de pas trop savoir pêcher, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est. Mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Bon, je vois pas comment faire. Je comprends pas. Par contre, ça je prends. Ça aussi. Tac. 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 Et il y a un corbeau. Et lui, il vend des chapeaux aussi. On s'en fout de ces chapeaux, là. Attends. Ouvre-moi la carte, là. On est où? On est là. Ah ouais, il y a du poisson. C'est le pêcheur. Ok, d'accord. J'ai compris. Ah, mais il y a un canard, là où je suis, non?
À moins que c'est le canard qui me suit. Ah oui, non, c'est le canard qui me suit. C'est le canard qui me suit en haut à gauche. Mais comment je fais pour récupérer ton poisson? Ah, yes! Let's go. Non, reviens! Ah, voilà! Magnifique. Alors là, mon pote. Comment je fais? Ok, bah faut que j'attende. Parce que je pense que je peux pas... Ouais. Je pense que je peux pas ouvrir. Ah mais s'il y a de l'eau, je fais comment en fait? Ah, ça y est. Comme ça. Toujours pas. Oh mais c'est terrible. Ah, il galère en plus à pêcher hein. Allez, je crois en toi mon grand. T'es en miaulant, ça marche. Attention. Allez, hein, il est vraiment, mais vraiment, mais alors vraiment mauvais, hein. Tous les pêcheurs en sueur. Oh. Allez, je danse. Incroyable. Allez, s'il te plaît. J'ai besoin de ton poisson, moi. Ah, mais il a un poisson sur la tête, là, non? Ça y est. Et là, je fais comment, du coup? Et là, je fais comment, du coup? Ok. Ok. Et là il va venir sur moi. Voilà, et là je le prends. Ok, c'est superbe, ça marche pas. J'ai compris ce qu'il fallait faire mais c'est ridicule. Parce que là faut qu'on attende 30 ans. Mais dégage toi, je t'ai rien demandé. C'est pas possible. Hop, moi je fais du tri là. J'ai pas le time. Voilà, 31 qui brille. Là, je vais, en fait je vais pouvoir acheter du poisson si je voulais. Bon, vous avez compris ce qu'il faut faire. Mais là, il faut déjà qu'il puisse pêcher un poisson. Et ça, c'est pas encore gagné. J'espère qu'il en pêche un rapidement. Excusez-moi, madame. Et là, il faudra que je le chope ici. Son petit poisson. Je suis prêt. Je suis à l'affût. Allez. Oh là là là. Qu'il est mauvais, mais qu'il est mauvais. Hop, je te donne un petit coup de patte à toi là, le petit canard là. Le geek devant les écrans là. Allez, cette fois c'est la bonne. S'il te plaît. Allez, hein, toujours pas, ça régale. On y croit, messieurs, dames. J'ai remarqué qu'il met 4 coups avant d'avoir un poisson. Hein. Donc là, normalement, c'est scripté. C'est bon. C'est bon, et là il va le poser par terre. Pas du tout. Pas du tout. Si. C'est bon. Allez, salut. Oh non. Non, 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 le poisson. Mais non, mais putain de jeu. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est abusé ce jeu. C'est abusé. Eh ben tu sais quoi, j'en veux pas de ton poisson, j'en ai pas besoin. Voilà, tant pis. Allez les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je... Et voilà, on est de l'autre côté, c'est parfait. Bon, on en aura besoin de son poisson, hein, les amis. Hein. Je vous taquine, mais je vais me débrouiller pour le choper. Et puis comme ça, on pourra commencer le troisième épisode dans de bonnes conditions. Attends, là, ça nous débloque... On est où, là? C'est complètement dingue. Ah non, mais non. Ah si, on est là, il y a le truc zen juste derrière. Ok, très bien. Bon bah voilà, allez, on va essayer de se choper le poisson et puis on sera plutôt pas mal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Encore une fois les amis, je kiffe de ouf, ça change vraiment. J'ai hâte de lire vos commentaires également. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve donc très vite pour la suite de cette petite aventure bien sympathique. C'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde. Tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache nouvelle vidéo.